Il y a un time mini à respecter, les amis. Apparemment, je fais trop vite, il y a trop de bagarres, c'est pas stylé. Analyse, là, ta performance. On passe pas un bon moment, là, ce soir. Là, tout de suite, j'avais grave la dalle. J'avais la dalle. Eh, là-bas, on passe pas un bon moment, là-bas, en fond. Là, sur la gauche, vraiment sur la gauche, on passe un bon moment ici. Et effectivement, par soumission, c'est pas ma spécialité. Mais. Là, je vous passe aux ailes, moi, il m'a répondu. Cinquième victoire et quatrième avant la limite. Incroyable. Ça va enfin, ça va les gars. Ouais. Les partenaires derrière, ça va. Tu sais qu'on est nombreux, il y a beaucoup de gens qui nous suivent sur YouTube, on les salue encore. Est-ce que t'as un mot pour eux? Bah merci, merci de nous regarder. Est-ce que cette fois c'est... C'est avec plaisir que je monte dans la cage et... Let's go, merci à vous. On va voir parce que je l'ai en face de moi et vous avez l'image. On peut avoir des athlètes performants, mignonnes et qui savent s'exprimer. Moi, bleu, fais du bruit pour Ibrahim Chaque Mouvement Zaya. Même les combats féminins, ils sont beaux à regarder. Octogone. On va assister à une belle histoire. On va accueillir maintenant tout de suite son opposant. Toujours dans la snake tu fais du bruit pour Elohim. Avec Fabio Pincai, t'as pas déçu,
on a vu que les combats sont de qualité et que c'est varié. Est-ce qu'il y aura une collaboration sur le long terme avec Fabio Pinca? Écoute, bien sûr qu'on n'est pas déçu par ce que peut proposer Fabio Pinca. Fabio est un très très grand champion. Je sais qu'il est très à cheval sur la qualité de ses combats. Il l'a été durant toute sa carrière et aujourd'hui il transmet aux nouveaux combattants de la scène MMA aujourd'hui. Et nous allons faire le point, bien sûr, bien entendu, après l'événement Octogone. Et si Fabio est satisfait de cette collaboration, bien sûr qu'on pourra continuer. Et les gens ne se rendent pas compte, parce que moi je suis bien placé, on a bossé ensemble, c'est jamais facile. Il y a toujours des galères dans une organisation, des combattants qui manquent, des problèmes de son, des problèmes d'image. Les gens ne se rendent pas compte que c'est compliqué d'organiser. Bien sûr que c'est très très compliqué d'organiser. C'est un vrai métier, c'est un métier de professionnel, surtout que c'est réparti en plusieurs. Il faut coordonner entre la partie purement technique, show, spectacle des fighters avec toute la partie réglementaire et puis toute la partie son et lumière, plus les captations et les transmissions après. Voilà, c'est un travail à part entière et comme dans tout boulot, rien n'est facile. Et il faut l'aborder avec une grosse préparation, avec une grosse coordination et puis avec des gens professionnels comme toi, Fabrice. Merci beaucoup et en tout cas merci beaucoup pour ton travail, on te remercie et de toute façon on se voit bientôt. Bien sûr, on se verra bientôt probablement au Sénégal puisque tu sais que tu es notre invité le 2 décembre pour le Erifa Fight Legend qui aura lieu au Grand Théâtre le 2 décembre et avec un show. Et encore mieux, je serai même aux commentaires. Exactement, on compte sur toi. Merci. Alors c'est vrai qu'on vous a laissé un peu tomber sur le combat mais il y a mon consultant de marque, Eric Petrosian, qui va nous raconter qu'est-ce qui s'est passé lors de ce premier round. Alors on va juste rester attentif sur cette phase pour voir si la clé de jambe passe. Voilà, donc elle n'est pas passée. Alors ce sont deux combattants très très forts pour un niveau amateur. C'est quasiment des pros. Donc Ibrahim Shahmurzaev qui est vainqueur du Coupe du Monde 2019 en kickboxing. Tref Elohim qui est champion de France de Pancras. Les deux sont du style boxeur. Donc et depuis le début du combat, on voit une intensité de fou. Voilà le genou qui passe, incroyable. Elohim qui ne met pas sa garde. Donc il y a eu une amenée de la part d'Elohim. Au début du round, voilà, gauche-droite qui passe. Pour l'instant, Elohim prend le combat, prend le ring. On va voir comment se déroule les choses par la suite. Alors, petite présentation. Hein. Tref Elohim de la Sneak Team de Cyril Diabaté. 24 ans, 1m86, 77 kg. 4 victoires pour 3 défaites. Reste sur une victoire. A fait ses débuts. Le genou qui est passé, qui suit. Champion de France en Pancras avec 10 combats et son adversaire Ibrahim Shahmurzaev, 21 ans, 1m75, du MPC à Saint-Chamond, 3 victoires par KO, 2 défaites décision, début en MMA 2020 et il a été aussi vainqueur de la Coupe du Monde 2019 en kickboxing.
Voilà, donc le début du deuxième round. Je pense que le premier, Elohim, a su prendre. Donc on va voir comment ça se passe pour le deuxième. Voilà l'amener de la part d'Elohim encore une fois. Je pense qu'il a trouvé la clé de sa victoire. On va voir si le travail continue au sol. Le public qui soutient Ibra. Ibra qui est légèrement marqué à l'œil. Premier round très très intense, on le rappelle. Ils se sont échangés plus de 30-40 coups chacun. Donc Elohim qui n'arrive pas à faire grand chose. Ibrahim qui le bloque en overhook. Elohim qui s'est remis debout et voilà le grand deadpan qui repart. Elohim qui va peut-être aller chercher le dos, voilà. Les crochets doivent passer pour Elohim, un crochet qui passe. Le crochet qui passe, peut-être un étranglement qui va suivre, le bras qui passe sous la gorge. Donc Ibrahim qui lui bloque le bras gauche. Et ne lui laisse pas, finaliser son étranglement. Les deux se sont relevés. Elohim qui met des coups de genou au niveau des jambes. Très très fort Elohim, très très fort. Debout comme au sol, comme en lutte. Il domine complètement le deuxième round. Il se permet même d'être nonchalant. Le jab qui passe. Incroyable, incroyable de la part d'Ibrahim. Donc vous voyez, il y a un travail comme ça de boxe anglaise, de kickboxing. Et d'un moment à l'autre, on peut aller au corps à corps, on peut aller en lutte pour aller ensuite aller en grappling au jiu-jitsu si ça va au sol. Et c'est ça toute la diversité du MMA dans cet événement, l'octogone. Vous avez du spectacle, des combats équilibrés et on est encore dans les combats amateurs. Et dans les combats amateurs, parce qu'on demande sur le chat, il y a des protèges tibia, Eric. Il y a effectivement des protèges tibia et des gants qui sont plus gros que les gants des professionnels. Qu'on appelle les gants boules, qui ont une partie en mousse. Octogone. C'est parti pour le troisième round. Je vous rappelle que ces deux jeunes combattants sont les anciens adversaires de Mathieu Zimborski. Des excellents amateurs. Et voilà le direct du gauche de Elohim, mais tout de suite une contre-attaque de son adversaire. Et là on voit un déplacement, beaucoup un travail en anglaise. Vous voyez, c'est ça aussi le MMA. Il faut être précis. Front kick de Elohim. Voilà, face à un adversaire, Ibrahim déterminé. Donc de très peu le genou allait passer dans la tête, ce qu'on n'a pas le droit de faire en amateur. Voilà le bras gauche qui passe de la part d'Ibrahim, l'overhand, un backfist tenté, mais qui n'est pas passé. Voilà Elohim, on le voit feinter avec sa jambe droite. Elohim qui se sent à l'aise, qui a pris d'ailleurs les deux précédentes rounds et qui continue à prendre ce troisième. Ce spinning back kick qui est passé. Gauche,
droite, gauche, incroyable. Vous voyez l'enchaînement, direct du gauche, direct du droit, coup de genou, jambe arrière de Elohim. Et c'est tout le travail de Muay Thai et de Box Thai pour finir après sur un travail au sol, Eric. Incroyable, incroyable ce travail de la part d'Elohim. Donc là, comme on voit, il est en 100 kilos. Ibrahim qui s'accroche à sa tête pour pas se prendre des coups comme on voit. Elohim qui essaie de travailler, qui essaie de prendre peut-être la montée. Et là il y a un travail physique d'étranglement. Qu'est-ce qu'il cherche à faire Elohim? Alors maintenant c'est un travail de patience. On doit. Voilà, Elohim qui prend la montée, comme je l'avais dit. Donc là il doit sûrement y avoir un travail de grand endpoint qui va passer. Voilà, donc je vous rappelle qu'on n'a pas le droit au coup de coude. On peut mettre que des coups de poing. Donc voilà, ça passe. Elohim qui peut prendre le dos si Ibrahim fait. Voilà, le grand endpoint passe. L'arbitre peut arrêter le combat. Ibrahim qui donne le dos. Ibrahim qui n'est pas trop à l'aise pour sortir de cette position. Elohim du coup qui prend ce troisième round encore une fois et qui tente de finaliser avant le temps. Donc un crochet qui est passé. Ibrahim qui n'essaie pas de se mettre sur le côté pour essayer de sortir. Les coups passent encore une fois. Ibrahim bloque le bras droit pour pas se prendre plus de coups que ça. On va profiter de saluer encore les gens sur YouTube. Je sais qu'on a des problèmes de son. Dites-moi dans les commentaires si le son est meilleur. Ça fait partie des aléas. Des fois, il y a des problèmes avec la régie. Tout ça. On essaye d'améliorer. Dites-moi si vous nous entendez mieux ou pas dans les commentaires. Incroyable combat de la part d'Elohim Treff qui a pris les trois rounds. Décision de Elohim, victoire pour Elohim Treff. Octogone.